avec Boy Bassissoko qui va choisir une première solution et c'est pas forcément la bonne parce qu'en face il y a une première parade effectivement du gardien nancéen. Et soyez derrière, soyez ce qui répond immédiatement. Avec Javier Morgan qui vient fixer. Qui fixe et qui met ce but. Allez. Devant et Nancy, ça y est, qui mène par Puissin. Attention, les Cristoliens vont donner leur réponse. Voilà qui est fait avec Bruno Boutorac de nouveau. C'était Boutorac, oui. Mm. J'avais un petit doute là à l'instant. Allez, on vient chercher le demi-centre très haut. Oh ça c'est joli, excellent. On adore voir ça, Javier Morgan pour sa deuxième réalisation ce soir. Ah, bien vu, belle lecture. Allez, la bonne emprise. Et derrière, il va pouvoir aller la mettre avec même un petit effet dans le ballon, Marc Lévigne. La petite roucoulette. Ah, c'est joli. Oh, Créteil, et ce shoot monumental. Le troisième pour lui ce soir. Oui, il s'appuie beaucoup sur Vutorac. Il est carrément 9 mètres, hein, il n'hésite pas là. Ouais surtout pas à prendre de contre trop rapide. Bien vu. Et bien vu ça. Ça, c'est bien fait, il était concentré et il en a profité. Il a bien raison. Pour l'instant, bizarrement, c'est Créteil qui subit. Ouais, avec ce ballon qui va sortir. On a failli envoyer le ballon sur le matériel du photographe. Il serait bien inspiré de le faire là. Oh, l'arrêt de Dylan Soyer. Au très bon moment. Au meilleur superbe moment. Ah ouais. Et c'est reparti entre Nancy et Créteil. Nancy qui espère encore se donner un petit peu d'espoir avec ce but. Très bien joué. Très très bien joué de Leka Groff. Quatrième but cette soirée. De toute façon, Nancy, s'ils veulent garder espoir de maintien, ça passe par des victoires, surtout à domicile. Ouais, bah, Sissoko de nouveau, il va peut-être aller trouver un espace. Ce sera malheureusement pas assez précis pour Paredes qui vient trouver le gardien. Ah, les Cristoliens, ça va très vite. Boy, bah, Sissoko. Qui va aller trouver. Et encore un. Oh là là, qui va aller trouver Mario Lopez Alvarez. Et puis ce ballon qui va filer en sortie. Ivezic. Attention, qui est efficace. Il s'est réveillé, Ivezic. Ouais, il n'a pas donné de solution. Il a montré aucune porte. Et il a vraiment attendu le dernier moment pour bouger. Il va falloir shooter là. Attention. Peut-être sur cette action. Décalage à l'aile. Oh, ça c'est bien fait. Il est important celui-là. Très très belle. Celui-là, il est important. Le but de Marc Lévigne. Propose beaucoup plus de jeu que Créteil ce soir. Et alors attention, parce que là il y a un espace énorme. Oh là là. Attention. Oh, la tuile en deux temps. Dommage. Et c'est passé dedans. Il y a la première offensive qui est signée Mario Lopez. Et derrière, il y a la réception de ce ballon. Signé Boy Bassissoko qui va aller mettre son sixième. Non, septième. C'est sur la elle montée, rapide. Nancy arrive à marquer. Javier Morgan avec ce but. Peut-être et non, l'arrêt. Ça y est, là, la tension qui commence à monter dans le palais des sports ici à Nancy. Une rencontre importante pour les deux équipes et derrière, et ben voilà l'arrêt. Il est parti 2 heures avant, il savait que la balle allait arriver là, regardez ça, il est parti, hop là. Oh là là, il savait. Bah, excellent. Sissoko, il a la rage là, il veut vraiment récupérer ce ballon pour garder espoir. Javier Morgan, c'est dedans. Marche qui va. Pierre Marche, pardon, ouais. Excusez-moi. Pinuté là. C'est peut-être le tournant du match là. Qui veut y croire. Oh, ce shoot s'est dévié. En deuxième partie, shoot. Très belle lucarne de Lopez. Dans la transversale, hein, dans la lucarne effectivement de Lopez. Avec le public qui est debout ici au Palais des Sports à Nancy. Et le dernier but de la partie peut-être. Signé Monsieur Javier Morgan. Huitième hein, ce soir. Bravo à Nancy.
Ouais. Très belle partie. Ils ont été très solides pendant les 60 minutes. Ils ont tenu le match. Ils ont imprimé leur jeu, leur vitesse. Et voilà, c'est fait, c'est terminé avec la victoire des Nancéens qui gagnent une de leurs premières finales pour peut-être, pourquoi pas, créer l'exploit et se maintenir en Liqui Moly Star League.